So my name is Mike Gonzalez. I'm the Deputy Assistant Secretary of State covering West Africa. Mon nom est Mike Gonzalez. Je suis le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines et plus particulièrement chargé de l'Afrique de l'Ouest. And so I, in my role, I cover the 16 countries from Niger and Nigeria all the way to Cabo Verde. Donc dans mon rôle, je couvre 16 pays, incluant le Niger, le Nigeria et le Cap Vert. And in the past 2 years since coming into this role, I have been eager to come to Benin because I'm really excited about what I'm seeing on political reforms, but also a bit concerned about some dynamics related to security and regional issues. Alors depuis 2 ans pratiquement que j'occupe cette position, j'ai toujours voulu venir au Bénin, non seulement par rapport aux questions des réformes politiques, mais également aussi parce que je suis inquiet en ce qui concerne la situation sécuritaire. And so during my visit, I've had the opportunity or will be meeting with leaders from government, from civil society, chiefs of business, and political opposition groups to get a broad sense of dynamics here and the role the United States can play in supporting Benin. Alors, pendant ma visite au Bénin, j'aurai l'occasion de rencontrer des membres du gouvernement, des membres de la société civile, des entrepreneurs également, ainsi que des membres de l'opposition pour avoir une image générale de la situation au Bénin et aussi pour savoir quel rôle les États-Unis peuvent jouer dans ce sens. So generally, I've been quite impressed by the economic reforms that have been introduced in recent years, the expansion of infrastructure, and the impact that is having on economic growth and attracting investors. Alors, je dois dire que jusque-là, j'ai été vraiment impressionnée par les réformes économiques que j'ai pu constater, et également les réformes au niveau des infrastructures, et je suis positivement impactée par ce que j'ai vu en sachant que cela aura un impact sur la croissance économique en général et sur l'attraction des investisseurs. I've also heard significant positive feedback about the government's efforts to improve administration of governance and service delivery to the people. J'ai également eu de bons retours par rapport aux efforts que fait le gouvernement actuellement pour une meilleure gouvernance et également pour le service qui est fait auprès des populations. But the United States also joins the people of Benin in being alarmed by the increase in attacks by violent extremist groups, particularly in northern Benin. Mais le Bénin les États-Unis pardon, se joignent également au peuple béninois en ce qui concerne les inquiétudes soulevées par les récentes attaques qui ont été reportées dans le pays. And so we're eager to partner with the government and the people of Benin to improve security as well as economic opportunity for the people of northern Benin. Et dans ce sens, nous avons vraiment l'intention d'établir un partenariat non seulement avec les autorités mais aussi avec le peuple béninois pour renforcer la sécurité et aussi pour apporter plus d'opportunités économiques aux populations du nord du Bénin. And so while we see many bright lights in the future for Benin, the United States also is concerned at some of the political reforms that seem to have a bit of a chilling effect on political discourse by opposing voices. And so I'm interested in seeing firsthand how that is manifesting in country. Alors de la même manière que nous voyons des signaux très positifs pour l'avenir du Bénin, nous sommes également inquiets par rapport à certaines réformes politiques qui affectent d'une certaine manière le discours, le rendu de certains membres de la classe politique et plus particulièrement des politiciens de l'opposition. Et j'ai vraiment l'intention de me focaliser sur cette question pour en savoir plus sur la situation. But fundamentally, the relationship between the United States and Benin is strong. The relationship between the people of America and the Beninois people is fantastic. And we have great hopes
for the future of your country and for the future of our relationship and how we can support your success. Mais fondamentalement, les relations entre les États-Unis et le Bénin sont fortes, tout comme les relations entre le peuple américain et le peuple béninois sont fortes également. Et nous avons vraiment confiance qu'au fil des années, cette relation aboutira à de meilleurs résultats et à un meilleur futur pour le pays. In terms of security, the U.S. has various plans already in place. We've had several rounds of training and joint exercises with the Benin Armed Forces, and we're going to have another one in July. En ce qui concerne la sécurité, nous avons différents plans pour la renforcer et qui sont déjà en fait en place. Par exemple, des exercices et des opérations conjointe avec les forces de défense béninoises. Et justement, il y en a une qui est prévue pour juillet. In October, we expect to begin to train and equip the USSF Border Police to improve capabilities on securing the northern border. En octobre, nous avons l'intention de lancer un programme de 3 années qui consistera à entraîner l'unité de sécurisation des frontières USSF qui se charge de la sécurisation des frontières et plus particulièrement aux frontières du Nord Bénin. And in terms of governance, we're concerned about some of the trends that we have seen. And so looking forward, we have a couple of opportunities to continue to assess how things are going. Right now, the High Authority for Audiovisual and Communications is receiving applications and considering credentials for members of the media. We hope to see a broad credentialing of various voices and perspectives from the media to take place. And in January, Benin is going to be facing parliamentary elections. And so we will hope to see an opportunity for various voices, for people from various political orientations to be able to campaign, be registered as candidates, be on ballots, and if elected, assume their seats. So ultimately, we have multiple benchmarks going forward to assess how representative the systems are and how much they allow for diverse voices to participate in decision making. En ce qui concerne la gouvernance, nous sommes effectivement inquiets par certaines situations que nous avons eu à constater. Mais il s'agira effectivement de voir comment les choses évoluent au fil du temps. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, par exemple, est en train de recevoir des candidatures de journalistes pour le renouvellement de la carte de presse et nous espérons que cela permettra à un très grand nombre de journalistes d'avoir accès à cette carte et d'être reconnus donc comme journalistes et de pouvoir exercer leur travail, leur fonction comme il se doit. Également en janvier, le Bénin tiendra des élections législatives et nous espérons que toutes les orientations politiques, tous les partis auront l'opportunité non seulement de se présenter sur les listes, d'être candidats et si élus, qu'ils puissent avoir accès aux sièges qui leur sont dus. We've also heard these concerns that the opposition feels that it is silenced, that it doesn't have the opportunity to express their views or be available to the public. And that causes us great concern, if true. Ultimately, we believe that a variety of perspectives is crucial to hold government accountable, but also to come up with better ideas. No individual or individual group is the sole source of good ideas. So having a variety of perspectives can best lead a country forward. Nous sommes effectivement inquiets, nous sommes au courant de cette tendance, du fait que l'opposition béninoise reste silencieuse. Et c'est justement par rapport à ça que nous exprimons des inquiétudes, parce que ce qu'il est très important que le Bénin réalise, fasse comme réalisation, c'est que toutes les tendances soient écoutées. La solution à un problème ne peut pas venir d'un seul camp, il faut que plusieurs camps donnent leur avis pour qu'on arrive à une solution. Ça ne peut jamais être une solution
unilatérale. Et c'est par ce concept et cette position que nous avons.